Bon, niente fatto ancora! On passe à table dans un instant. Martha, occupe-toi d'elle. Venez, nonne, on va vous faire belle. Cacahuète! Non, il n'y a pas de cacahuète. Venez! Patata chips! Non, dans un instant, on mange. Tema! De la mayonnaise. Oui. Mayonnaise? Mayonnaise. Angela, de la mayonnaise. Venez, nonne, on va vous faire belle. Vous allez vous arranger, hein? Et puis, vous allez mettre du rouge à lèvres. Mi anniversario oggi? Non, pas encore. Mais c'est un jour de fête. Festa, festa. Ah, ma nonna chérie. Que vous êtes belle. On vous donnerait du temps. Vas-y, 20 ans. Non, 30. Allez, on vous en donne même pas 70. Festa, festa, chica. Oui, la fête. Et dis donc, Carmela, t'as vu un peu notre nonna? Francisco, il va pas nous faire faux bon. Lui, faux bon, impossible. Voir. Vaudrait mieux pas la mettre au courant. Bon. Mais va savoir si elle met les pieds dans le bain. Tu as raison, je m'en occupe. Angela! Angela! Per moi, la vianda, non troppo cuita. Tito, Tito, andiamo a vedere la vianda. On va vous apporter l'apéritif dans un instant. Ma petite nonne, au regard si doux dans ses yeux, qui ont vu naître des arbres, qui les ont vu mourir et renaître à tout le monde. Et l'apéritif? Ça vient, ça vient. Vous savez qui va venir tout à l'heure? Francisco. Vous vous souvenez de lui? Un coglione! Non, là, c'est un brave garçon et il vous aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'à vous aussi, il vous plaît. Et l'apéritif! Bon, comme je vous disais, non, non, vous devriez penser à votre avenir et songer à l'assurer. Un jour ou l'autre, nous pouvons disparaître. Et alors? Et alors? Et alors? L'apéritif! Chier avec son apéro! Mastiquez bien! Don Francisco, c'est un type très bien. Il est américain. Bon, ses affaires vont bien. Il a un kiosque près de la gare. Ouh là là, si vous le voyez, plein de chocolat et de bonbons. Chocolat! Ouh, une pièce entière. Du blanc, du moelleux, à la crème, des bonbons, à l'orange, des pastilles de menthe. Des cacahuètes au chocolat. Et lui, il va venir, Francesco. Et d'un instant à l'autre, mais d'abord... On va tous manger ensemble. Et après, on ira tous voir un monsieur dans son bureau. Et puis, ce soir, il vous emmène dans son kiosque. Vous partez avec lui. Madonnare à moi le chocolat. Oh oui, oui, tout ce que vous voulez. Alors, mon petit homme. Oh, ça marche, ça marche. Oh, le marito, voilà le marito. Qu'est-ce que tu dis, abruti? Le fiancé, fidanzato. Le fidanzato, le fidanzato. Comment allez-vous, Donna Carmela? Bonjour, Ciccio. Ah, ma petite Marta. Comment allez-vous, Don Francisco? Ah, je suppose que maintenant que je vais être ton... arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père, je peux te donner un baiser, non? Don Francisco, maintenant, faire vos compliments... Alors, bien sûr. Nonna, regardez qui est là. Non, là. Oh, il Francesco. Nonna. Qu'est-ce que c'est que c'est? Et la cioccolata. Tenez, nonna, voilà. C'est pour faire vous rappeler de mauvais souvenirs. Ah. Asseyez-vous, Don Francisco, asseyez-vous. Tenez. Merci. Viens ici, tout près de moi, ma petite Marta. Il faut que je finisse de m'arranger, Don Francisco. Eh bien, dites-vous quelque chose. Je ne sais pas quoi lui dire. Mais parlez-lui de vous. Du kiosque, par exemple. De tout ce que vous avez dans le kiosque, ça va beaucoup l'intéresser. Parlez-lui de votre monde, Don Francisco. Attenzaro, on peut lui en parler. Pas un mot. Elle va penser que vous vous mariez par intérêt. Vous comprenez, elle ne sait pas que vous savez. Mais une fois mariée... Allez, vous avez des tas de choses à dire. Hein? La pizza. Allez.
Ils sont bons, les chocolats. Ils viennent de mon magasin. Quoi, t'as porté plus? Non, mais mon magasin en est plein. Andiamo là questa notte. Ah, oui, oui, oui. E che devo donare? Oh, tout ce que vous voulez. Cioccolata. Ma sa, oui, oui, oui. Catanzaro. Vous vous souvenez de Catanzaro? Qu'est-ce que vous avez à Catanzaro? Catanzaro? Buon vino. Du vin. Vous avez des vignes? La pasta. Une usine de pâte. Questa cosa. Hein? L'or, des pépites d'or. Frutto di mare. Ma mère, conserverie de poissons. Ils attrapent des poissons. Ils sont des bateaux. Attrapare e mangiare. Oh, ma petite nonna. Maman, excusez-moi si je vous demande. Mon cher Ciccio. Angela, arrêtez de boire. Avec ça, vous n'arrangerez rien. C'est pour Carmela. Tenez, Don Francisco, buvez un coup, tenez. Buvez un coup. Ah, oui, oui, si. Ah. Oui, oui, Tita. Ah. Boire, ma petite Marta. Je vous remercie, Don Francisco. Oh, ne me dis pas vous. C'est que maintenant, vous êtes mon arrière-grand-père. Mmh. Maintenant, oui, mais après le Catanza... Oh, santé. Mon cher Tito, l'usine de pâtes est pour toi. Il vaudrait peut-être mieux que vous arrêtiez de picoler, Don Francisco, parce que dans 2 heures, il faut qu'on soit à la mairie. Hein. Et dis donc, la santé de la nonne. Qu'est-ce qu'elle a? Vous m'avez dit qu'elle était en plus mal. Hier, pour un peu, elle nous abandonnait. Mmh. Il a fallu lui faire du bouche à bouche. Oh my God. Elle mange bien. C'est la rémission avant la mort. Et c'est la même chose maintenant. Non, jusqu'à ce soir, elle va tenir le coup, c'est sûr. Mm. Mais ensuite... Chico, hein? La mustata. Bon, allez, un dos. Bon, allez. Bon, laissez-la. Maintenant, elle va s'enfermer dans sa chambre et se mettre à picoler. Un désastre. Quel ravage. Bon, allez, encore un dos. À vous, le mari. À vous, le mari. À Catanzaro. Nonna, a Catanzaro. Allez, nonna, trinquez-vous aussi. Trinquez. On sait que pour elle, c'est un jour très spécial. À vous, la nonna. À vous, la nonna. Oh, bravo. Auguri. Viva le nouvel anno. Chante la musique, Angela. Non, oh, mia mamolina. Che non mi se passa il mar. Donde sarà la cammiera. Che non trisa il mar. Esta noche me recuerdo. Este brindis. Por Francisco. Santé, Don Francisco. Con tu linea. Thank you.